la clé. Ha ha! Hey! La prochaine fois, j'aimais pas une tapette, mais une guillotine. Hé, toi là, qu'est-ce que tu fais devant mon atelier secret qui est secret? Je veux pas te voir ici pendant que j'élabore mon nouveau prototype de Radbord, t'as compris ça? Allez, tu dégages. Un nouveau prototype de Radbord? Ah non, mais ça, mais où tu l'as mis? Où tu l'as mis? Je veux le voir. Hé, hey, c'est une zone interdite ici, ok? Non, alors tu l'as pas mis là, il est ici peut-être, fais voir. Non, tu l'as pas mis là. Alors dis-moi, il est, s'il te plaît, dis-moi. C'est pas ici, je te jure, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y aurait un petit peu sous ce drap? Eh, vas-y, mâche bien, c'est comme du réglisse. Ah! Oh, la beauté, mais elle est magnifique! Oh, j'ai jamais vu d'aussi belle, elle est magnifique. C'est une fée en bouguini, ça, je les reconnais, elle est rouge comme moi. Merci, merci Raz, merci, ça me fait beaucoup trop plaisir. Ok, maintenant tu dégages pour de vrai. Au fait, la X-Board est à moi, voilà. Ouais, jusqu'à que tu la termines, après, elle sera à moi. Bientôt, avec la X-Board, je serai absolument imbattable. Je vais de ce pas l'annoncer au monde entier. C'est moi, le plus rapide, le plus fulgurant. Je suis le roi de la galaxie. Personne n'est aussi fort que moi. Ah ouais, on parie. Hey, retourne chez ta mère, petit. Je joue pas avec les débutants de ton genre. Je parlais d'une super course avec des super bolides. Je relève le défi. Quoi? M'oblige pas à te faire du mal. Tu me fais pas peur, petit. Looping, c'est mon nom. De la voltige, je suis le champion. Je m'appelle Rapido. On me surnomme l'As des As. Alors bouge de là si tu veux pas que je t'efface. Tiens, ça rime. Les présentations étant faites, prépare-toi, ça va être ta fête. Rapido, ne m'oblige pas à me mettre en colère, hein! Rapido? Ma parole, tu es splendide. T'as l'air d'une vraie gravure de mode. Ligne italienne classique, chaussures à talons compensés, mais j'adore! Costume sur mesure! Rapido, t'es beau comme un avion. Je crois bien qu'il y a erreur sur la personne. Si c'est au minable que tu veux parler, il est derrière moi. Raz, il va falloir que tu nous départages avec une super méga compétition. Mais, quel genre de compétition? Eh ben, une course de vitesse et tu feras l'arbitre. Mais c'est une excellente idée. Une course de vitesse. Attendez une minute. Une course en sac? Non. Une course de manger des spaghettis? Non. Alors une course de ballon sauteur, c'est ça, hein? Non, un concours d'engin à moteur, tu comprends? Ouais, et je vais te battre. Ça, c'est ce qu'on va voir. Accrochez-vous, les gars. Surprise. Eh ouais, c'est pas une mallette. Eh oui, c'est mon petit bijou préféré. Pas mal, n'est-ce pas? Deux secondes, il faut qu'on discute. Donne-moi le prototype tout de suite. Non. Mais j'ai besoin de ta X-Board, c'est une question d'honneur. Il m'a traité de minable, tu comprends? Il faut que je gagne cette course! Fiche, m'en fiche pas mal que tu gagnes ou que tu perdes! Mais tu comprends rien au coin! Ce type a directement insulté ton intelligence! Il a dit que ton super bolide était incapable de battre le tristique de Hitler! Ah ouais? Il a dit ça? Il a dit ça quand?
Vous avez peur d'affronter le grand Looping? Vous préférez déclarer forfait, n'est-ce pas, bande de poules mouillées? Alors, on fait quoi? Je sais pas trop. Ok, vas-y, c'est bon. C'est la course du siècle avec Looping dans sa mégaboard et Rapido dans la toute nouvelle X-Board. Moi, Rasmo, mécanicien de génie, je vais vous commenter cet événement exceptionnel. Bon, quelques mots sur le parcours avant de débuter. Comme vous voyez, ça commence par une ligne droite dans le conduit d'aération. Ensuite, on enchaîne dans une chicane qui débouche dans une sorte de cargo. Bien sûr, le parcours n'est pas sans quelques obstacles, comme Benny, le furieux lanceur de couteau. Ou encore le célèbre montagne russe, qui a la force de tout un régiment. Oui, oui, oui. Et pour prouver qu'ils ont réussi à franchir cet obstacle, les concurrents rapporteront cette magnifique clé anglaise qui viendra compléter ma collection. Maintenant, sans plus attendre, place au sport, place au génie, place à la course, prêt, feu, partage! Ça va être la balade! Waouh, Looping est parti comme une fusée! Rapido se traîne à l'arrière, c'est incroyable! Mais ça va pas ou quoi la tête? Arrête de dire n'importe quoi! Mon ami, on se connaît à peine. Hey, espèce de sale tricheur, tu t'en tireras pas comme ça. Tu vas finir haché dans la soupe! Aïe! C'est pas bien de manger les poubelles. En plus, ça fait très 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 mal aux dents. Là 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 là! Incroyable! Looping revient dans la course, c'est fantastique! Va-t-il réussir à reprendre la tête? Aujourd'hui, nous ressemblons à la superstar Sylvester Stallone. Sylvester? Sly, comment faites-vous pour avoir tous ces muscles? Détourner Rapido avec des émissions débiles, c'est interdit, je vous le rappelle. Hey, Looping! Je voudrais bien prendre une photo. Tu permets deux secondes? Loup, fais attention parce qu'il y a un ventilateur là, juste là. J'avais dit. Je voudrais pas te déranger, mais il y a une course à gagner en fait. Hey, on s'intéresse à des trucs des fois. Yeah! Oui! J'ai gagné! Pousse-toi de là, voilà le super mixer! À moi la clé anglaise, à moi la victoire! La clé anglaise, je vais gagner! Espèce de sale tricheur! Moi et même en piège, tu vas adorer mes semelles! Et Rapido n'a plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée! Allez, vas-y, Rapido! Rends-moi cette clé! Cette clé est à moi! Non, elle est à moi! Non, à moi! À moi! À moi! À moi! À moi! Aïe, 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 mais quel combat, mes amis! Le suspense est à son comble! Qui arrivera le premier? Ce n'était que la première manche! Mais ouais, c'est ça, allez, casse-toi, ouais! Salut! J'aurai ma revanche! Je suis imbattable! Attends, tu plaisantes, j'espère. Non, mais attends, tu plaisantes, c'était ma X-Board qui était imbattable! Toi, t'aurais jamais gagné sans elle! Et maintenant, elle est toute cassée! T'es plus mon copain désormais! Je m'en fiche que je sois plutôt copain, j'en ai pas besoin, de toute façon, je suis le meilleur! Bien! Et par contre, si tu fais une X-Board ou deux un jour, je veux bien être le premier à l'essayer! Toujours! Bon, alors si t'es d'accord, on se voit lundi!
Depuis que Rasmus prend pour Charlie Mingus, y a plus moyen de lire tranquille. Oh, Rasmus, ton amour de la musique éclabousse mon magazine. Désolé, c'est plus fort que moi. Le jazz me prend au trip, je suis en transe. C'est mystique comme la lune qui me regarde de son œil. Ma contrebasse! Hé! C'est quoi ce truc coincé dans les cordes? Bonne question! En tout cas, ça fait comme un gros bouchon! Mais c'est tout flasque! C'est vivant! Attention! On dirait que ça pousse! C'est horrible! Regarde comme il est tout laid avec ses yeux verts! Hé, il est passé où? Ah, bel atterrissage, Fred. Bonjour, bonjour, moi, c'est Fred. Vos stars préférées dans leur intimité. Mais, pas les pattes, c'est mon magazine. Tu veux un autographe, c'est ça? Mais pas de problème, coco. Et c'est quoi ton nom, déjà? Rends-moi ça. Il a complètement gribouillé mon magazine! Bien, il va falloir que je vous explique deux ou trois choses à propos de vos stars préférées. Ah, Sylvester Stallone, la plupart du temps, c'est moi. Pour réaliser un bon film, il suffit de quelques effets spéciaux, un bon masque en caoutchouc, moi, et hop, le tour est joué! Sans me vanter, j'ai doublé tous les plus grands. Sans moi, il ne serait rien. Hey! Il connaît les vraies stars pour de vrai comme pour de vrai! Et toi, tu crois tout comme d'habitude? Tu veux des preuves? Écoute-moi ça! Salut, vous êtes bien chez la mégastar Bruce Willis. Alors accrochez et retournez à votre petite vie minable. Allez, barrez-vous. Waouh! C'était Bruce Willis, t'as vu? Si ça se trouve, il connaît aussi Pavarotti! Dites-moi, comment je fais pour démarrer cette trottinette? Oh! Hey, dis donc! C'était pas ta rade-boîte par hasard? Il m'a piqué ma rat-board. Ouais. Et il la pilote mieux que toi, j'ai l'impression. Mieux que moi. Ah, c'est ce qu'on va voir. Je vais aller lui régler son compte à cette doublure. Regarde bien et admire le travail. Hein? Pourquoi elle démarre pas? Peut-être qu'il te manque un petit... truc qui... Le petit truc qui démarre. Maintenant, t'es gentil, tu passes à l'arrière, passager. On mange quoi à midi? Du gouda. Qu'est-ce qu'on mange le soir? Du gouda. Ah, faut pas être allergique au gouda ici. Ah, un pingouin. Fondu de pingouin. Farci. Du bon gouda, rien que pour moi. Oh, 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 oh. C'est l'heure de passer à table. Hop là. Incroyable, une ribambelle de fromage venue des quatre coins de la planète. Abracadabra dans la poche. Oh, alors là, j'hallucine. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Il n'y a plus qu'à tendre le bras. Là, et voilà. Ni vu, ni connu. Oh, zut, revoilà les deux ringards. Oh. Et voilà! Maintenant, tu vas me rendre ma rat-board, espèce de voleur. Du calme, je te l'ai garé là-bas. Ça alors, mais c'est stupéfiant! Quoi? Tu as un profil mais incroyable! Quoi? Je sens un vrai talent chez toi! Hein? Sans blague? Tiens, on va faire un bout d'essai, prends ça! Du fromage!
Bravo, fantastique, mais tu es doué. Oh, je l'ai vu tout de suite. Fais-moi donc visiter les lieux pendant que t'es debout et que t'as le bras tendu. Il serait pas en train de te piquer ta radboard? Un tival électronique. Fais voir. Oh, très astucieux. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est du fromage, en fait. Allons voir ça de plus près. Elle veut pas démarrer! Mais où est-ce qu'il l'a planqué, ma radboard, l'autre pingouin? Oh, mais c'est sympa chez toi! Merci! C'est moi qui fais la déco! Dis donc, je meurs de soif! C'est par ici, fais comme chez toi! D'ailleurs, moi aussi, je meurs de soif, franchement. Et puis, c'est tellement agréable de discuter avec quelqu'un de cultivé, tu sais. Rapido, il sait pas du tout apprécier ma sensibilité artistique. Tu vois ce que je veux dire, des fois? Oh, bien sûr, Coco. En plus, il supporte pas de m'entendre chanter, véridique, hein. Ah, et pourquoi donc? Moi, mon truc, tu vois, c'est l'opéra. Ouais, mon gars, moi, je suis un ténor. Oh, un vrai Pavarotti. Quel organe. Mais dites-moi, mais c'est qui savent vivre, ces deux garçons? Où il est, le pingouin, hein? Ah, le voilà. Hé, hey, t'as intérêt à me rendre ma radboard ou je te refais la tête? Hasta la vista, baby. Incroyable imitation, magistrale, bravioso, bravioso, gnogno. Hey, excusez-moi les gars, il faut que je me prépare pour mon prochain film. Ciao! Hey! Qu'est-ce que je vois? C'est pas ma radboard que t'essayes d'embarquer là? Hey! Elle est toute ratatinée! Ah oui, mais autrement elle ne rentrait pas. Oh, il est gonflé celui-là! Il allait l'embarquer, ouais! Il est passé où? Oh, avec tout ce que je leur ai piqué, je vais pouvoir refaire la déco chez moi. Ça va être le plus bel igloo de l'iceberg. Enfin, j'espère que je suis pas trop chargé pour voler. Ça fait quand même une sacrée troute. Mais en prenant bien mon élan, ça devrait marcher. Hey, pas si vite, poisson-oiseau. Je crois que tu nous dois une petite explication. Une explication? À vous deux? Oh, laissez-moi rire. Allez, merci pour tout, les gars. Je savais pas que ça se mangeait, le pingouin. Je vais farcir le pingouin. C'est très gentil de m'inviter à dîner, mais là, il faut que j'y aille. Reviens ici, le pingouin. Tu vas nous rendre nos affaires. Jamais. Voilà mon iceberg! Déposez-moi! Coucou le pingouin! Bonjour chez vous, bande de nuls! Moi j'ai un iceberg à prendre! Il nous a largués! C'est ce qu'on va voir, pingouin! Ma jolie maison. Oh, oh non! Un iceberg! Plus près. Barre à tribord. Libre comme l'air. Oh non! Non! Ma maison! Reviens! Reviens! Laissez-moi passer, dégagez! Ma maison s'en va! Regardez! On veut bien te laisser passer, mais d'abord, tu nous rends toutes nos affaires. Ouais, et je récupère ton portable. Et aussi tes masques. Ouais, ouais, et moi celui de Jennifer Lopez, s'il te plaît. Bon, d'accord, vous avez gagné, bande de minables. Pendant que t'y es, mets-moi les pectoraux de Van Damme. Ouais, la gloire de Céline Dion aussi. Et moi aussi les lunettes de George Michael. Ouais, et puis des autres trucs encore, par exemple. Bon voyage.
Hasta la Michu. La prochaine fois, rapporte-moi les chaussons de Jackie Chan. Ah ouais, ça c'est bon. Et son pyjama aussi. Mais c'est ça. Et sa culotte. Laisse-moi dire. Et son style. J'ai promis au capitaine de faire un méga soufflé au fromage. Il me faut du courant. Svetlana, t'es où? Ce moteur de l'air spatial est propre et simple à utiliser. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus lorsque vous verrez avec quelle efficacité ces bébés fonctionnent dans n'importe quelle condition. Ah, c'est qui ce petit bonhomme avec la soucroute sur la tête? C'est juste un petit bavard qui veut tester un nouveau moteur sur le cargo et moi je l'écoute mais je suis pas d'accord. Ce n'est pas qu'un simple moteur, c'est le turboréacteur à fromage. Laissez-moi seulement l'essayer sur votre beau bateau, vous ne le regretterez pas. Comme j'ai dit, pas d'accord. Attendez! Ne partez pas, je suis disposé à vous verser une somme coquette de quoi vous offrir plein de coquetteries. Vous avez fait le bon choix, je vous félicite. Décidément, on blablate, on perd du temps, alors que la solution est toujours la même. Et voilà, ouvrez grand vos mirettes et contemplez cette merveille de la technologie. Alors, qu'en pensez-vous présentement? Bah, il est tout petit. Nom d'un ragondin, qu'est-ce qu'ils ont fait de toutes les machines? Il n'en reste plus une seule. Oh mon Dieu, ils ont piqué tout notre parcours d'obstacles. Au moins, il nous reste la soute à fromage. Le dernier arrivé là-bas est un abruti total. C'est toi l'abruti total, ouais. Ce moteur très économique consomme uniquement du fromage. Avec l'aspirateur turbo branché directement sur la soute, pas besoin de se déplacer. Abruti total. Et maintenant, place à la science avec les doigts. Cher capitaine, comment vous trouvez notre nouveau moteur? Oui, eh bien ça me rappelle le bon vieux temps, ma petite fille. Lorsque j'étais jeune et plein de fougue. Rompé! Rapido, ramène-toi, faut qu'on aille voir le nouveau moteur. Ah! Mais quelle merveille! J'ai jamais rien vu d'aussi bon. Ouais. Oh, wow, trop classe, on peut se voir dedans. C'est tellement soyeux. Oh, ça rappelle le fromage en plus. Hey, je pourrais me faire le même sur ma rackboard. Ouais, et pour moi aussi. Tu trouves pas que ça sent un petit peu bizarre? Le fromage brûlé. Comme un carburant. C'est la fin, ça y est, c'est la fin. Rasmo, mais qu'est-ce que tu fais planter là? Vite, dépêche-toi, faut sauver notre fromage. Rasmo, on n'y arrivera pas, faut qu'on arrête ce monstre. Oui, t'as raison.
prime, c'est délire, moi. J'ai l'impression que comme par hasard j'ai trouvé le poste de contrôle. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à trouver comment ça s'arrête. Ah, un jeu vidéo. Alors ça c'est marrant. On dirait un rapido, c'est trop marrant. Waouh, comment il est classe ce jeu. Ah, je suis trop bon. Ils sont forts ces japonais, il est bon. Il est trop bien ce jeu. Attends, j'hallucine. Oh, le bon petit rapido, il en prend plein la tête là-bas. Aïe, aïe, oh ouais, ouf, pas du tout. C'est bon, ne vous inquiétez pas, j'ai rien, même pas mal. Super. Allô, t'es, j'y crois pas, hein. Rase-moi. Bah super, t'es content, tu m'as fait perdre ma partie, hein. Je te signale que pendant que toi, tu faisais le faux athlète, moi, j'essayais de sauver la situation, ok? Rapido, nous sommes dans le poste de contrôle, au cœur de la machine. Rasmo, mais dépêche-toi! La moitié du fromage s'est déjà presque tout envolé! Mais chut! Le fil jaune est coupé après le fil bleu. Oh, je m'embrouille! Mais bien sûr, tu t'embrouilles, mais attention, ils vont bientôt attaquer ma moitié! Ah, laisse-moi faire! Un peu de vaudou n'aura jamais fait de mal! Va me chercher du poulet et de l'eau chaude! Dieu des mécaniciens et des électriciens, entre-moi! Je prends les fils jaunes, les fils verts. Et voilà! Oh, grand prêtre, où s'arrête ton pouvoir? Chut, tais-toi et écoute! Nous sommes en train de produire assez de fromage pour faire la distance Paris, Lune, New York en Gorgonzola. Le moteur s'est arrêté. Ah, j'ai inventé une machine intelligente capable de produire du fromage à partir de l'air. Ah, c'est bien que vous soyez là, je viens de faire mes comptes. J'ai calculé le coût de production du nouveau fromage. Si je soustrais la somme que je vous ai déjà versée, vous me devez encore 250 000 billets. On se calme, mon joli. Bien sûr, j'accepte les cartes de crédit et vous pouvez régler en plusieurs fois. Offre bien entendu soumise à condition et sous réserve d'acceptation. Je les soupçonne d'avoir voulu nous embrouiller. J'aurai la peau de cette machine sur mon honneur de samouraï. Bravo, Benny. T'as stoppé les carnages. J'aurais dû m'en douter, c'était trop beau pour durer. Ah, les vandales, ils vont me le payer. Attends, le moteur, s'il s'en sert plus, on est peinard, nous on le récupère. Comme ça, on le monte sur nos radboards et on ira super vite comme un hélicoptère. Parfait, aide-moi, c'est le moment, qu'est-ce que t'attends? Allez, faut qu'on le transporte dans mon atelier, allez. 6 tonnes de ferraille à deux? Ben oui, bien sûr, pourquoi tu rajoutes pas une tonne? Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous allez regretter de vous être moqué de moi. Ah, mais tant pis, il sera que pour moi le moteur et je serai le plus rapide. La prochaine fois, vous ferez moins les malins. Benny, on a intérêt à tout ranger avant que le capitaine ne voie les dégâts. Non mais quoi, quels dégâts? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi on n'avance plus? Tu vois? À cause de toi, il reste plus rien, il reste plus que ce bout de tuyau.
Eh ben, la prochaine fois, t'auras qu'à vérifier qu'il n'y a pas d'antival avant de piquer quelque chose, patate. Ah ouais, patate, patate, moi, patate, toi. Rasmo, ça faisait au moins 6 tonnes. Et alors, 6 tonnes, j'ai déjà soulevé une fois, j'ai soulevé ta mère, rappelle-toi. Bonjour petit, je t'aime beaucoup. Serre-moi dans les bras et fais-moi un bisou. Je te retrouve comme dans mon souvenir. Comme c'est mignon. Une petite nounours qui parle. Mais je croyais que t'avais jeté ton nounours il y a 20 ans, en même temps que tes sucettes. Mais t'es nul, laisse-moi tranquille. J'ai pas de temps à perdre à écouter tes bouffonneries. Ouais mon gars, moi je travaille sur un projet scientifique top secret. Un projet scientifique top secret. Ouais. Un projet de biorobotique. Tout est là-dedans. Cette poupée en tissu éponge cache en elle-même un cerveau électronique avec intelligence artificielle. Un projet de la plus haute importance. Je tiens entre mes mains l'avenir de l'humanité. Place à l'intelligence! Oui, tu vas revivre, Crapouli. Tu vas revivre. Grâce à cette puce électronique que je viens de prélever dans le sèche-cheveux de Rapido, tu vas revivre. Avec ça, tu pourras rire, danser, chanter et faire des trucs. Alors, docteur génie des peluches, ça avance? Il en est où l'avenir de l'humanité? Je suis sur le point de réaliser une avancée scientifique majeure dans la majoration. Tu vois ce fauteuil? C'était celui de Bill Gates. Gates comme poulie, Bill comme système. Un système de poulie qui te permet d'être lié directement à tous les journalistes du monde. Oh, c'est Bill ma taille, trop fort. Je t'ai dégoisé. Et maintenant, je vais être bien tranquille. Le moment est venu de ramener ce cher crabe poulie à la vie. Oh, énergie cosmique, donne-moi la force d'insuffler une nouvelle vie dans Monsieur Crapouli! L'oncle de la créature. N'importe quoi, celui-là. Hey, Roz! Il a craqué, il est retombé en enfance. N'importe quoi. Hey, oh, Rasmo, oh, hey, ha. Hey, on va se faire une virée au ras de bord, ça te fera du bien, viens. Pas maintenant. Wow, comment il a changé, lui. Allez, Crapouli, fais-moi rire, fais-moi rire, fais-moi rire. Maintenant que les enfants passages sont partis, je peux continuer. Oui, encore, regarde, regarde. Très bien, mais avant, voici une pause publicité. Non! Tut-tut. C'est nul! Je sais. Pour l'instant, le sujet observé est totalement réceptif à toutes mes blagues les plus débiles. Hey, qu'est-ce que c'est que ce trafic? Je peux savoir ce que tu magouilles, monsieur crapuleux? Depuis quand les peluches s'enregistrent au dictaphone? Il se passe des choses bizarres ici. Eh oui,
monsieur Crapouli est de retour, les petits enfants. Hey, Raz, ton petit copain est pas clair, c'est moi qui te le dis. Je sais pas ce qu'il complote, mais il prend des notes au dictaphone. Je l'ai pris en plein délire. Rapido. Dehors! Va-t'en! Dégage, va jouer avec tes jouets à toi! T'inquiète, fabriquer un crapouli à ton image! Phew! Bah dis donc, je l'ai échappé belle! Laisse-nous tranquille! Fiche le camp! Allez, vas-y, crapouli, continue! Encore, 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 fais-moi marrer! Bah, une dernière danse pour les petits amis! Danse avec moi, petit ami! Qu'importe la purée, pourvu qu'on ait leur régal. Les enfants adorent mes céréales. Bonne nuit, fais de beaux rêves, Rasmo. Alpha, Beta, Nounours Bleu, dans une demi-heure. C'est parfait. Et tu fais paraître l'article dans la presse professionnelle, bien sûr. Oui, oui, mais pas de fuite, hein. Il faut surtout pas que mon... Il ne faut pas que quoi? Je m'appelle Monsieur Crapouli, je suis joli et gentil. J'aime bien manger du riz, je suis Crapouli. Et ça, qu'est-ce que c'est? À qui tu téléphonais? Et les petits enfants sont mes amis. Arrête de te payer ma tête. Attends, non, mais c'est pas ce que tu crois. Pour qui tu travailles? Voilà, j'ai un petit coup de fatigue, moi, j'irai bien dormir, là. Puisque tu es l'ami de tous les enfants, le petit enfant Rapido aussi, alors j'ai envie de faire un petit tour avec toi. Pasco! Mais crie pas, tu vas réveiller bébé Rasmo. Dis donc, c'est plus haut que la tour Eiffel. Ah, ça c'est sûr, vaut mieux pas que tu tombes. Ah oui, et dis donc, c'est normal ce bruit-là, parce que le moteur va pas se détacher. T'inquiète pas, c'est des secousses, allez, danse pour moi maintenant, fais-moi rire. Et qu'est-ce que tu veux que je te danse? Un truc comme ça? Ou un truc comme ça? Qu'est-ce que tu veux, Rasmo? Allez, je t'écoute, dis-moi la vérité. Et moi je danse et je ris et je fais jamais pipi. D'accord, tu veux jouer au malin, j'ai compris, alors on va tous les deux jouer au malin. Crapouli, réponds-moi, Crapouli. Ah, non, je ne vais pas mourir. Oh, 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 arrête. Oh, que ce monde est cruel. Oh, adieu. Ah, ah. D'accord, 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 d'accord. Ah, ah, je vais parler. Ah, ah. D'accord, t'as gagné. Je vais tout te dire, mais appelle un docteur. C'est pas trop tôt. Alors, vas-y, je t'écoute. Ok, j'avoue, j'ai joué à la comédie, mais c'était pour bien faire. Hein? Je viens de signer un contrat avec Hollywood. Je vais tourner des émissions pédagogiques pour la télévision. Le petit poussé dans l'arène avec Michael J. Fox et Sylvester Stallone. D'ailleurs, on vient me chercher, là. Il devra pas tarder à arriver. Ah, tiens, allez, voilà. Hélico personnel, évidemment. Faut que j'y aille maintenant, vieux, hein. Je te laisse le soin de prévenir Rasmo. Il va me manquer, le petit, tu sais. Il a gardé son âme d'enfant, là. L'âme de Monsieur Crapouli, tu sais comme on aime. Allez, salut, mon beau. Et bonjour à ta maman pour moi. Allez, à ciao. Hey, attends. Mais reviens. Mais moi aussi, je veux faire de la télé. Moi aussi, je sais faire des imitations. Je sais faire le cochon. Rapido, t'as pas vu Crapouli? Ah, celui-là, je le retiens. Il vient de repartir pour Hollywood sans même me proposer un rôle. Tu m'as dit comment? Tu veux dire qu'il est parti à Hollywood? C'est-à-dire Crapouli à Hollywood, mais il a rien à faire là-bas? Crapouli, il est parti, ça me dira au revoir. Crapouli, pourquoi es-tu parti? Ça me dira au revoir. Je comprends que tu déprimes, dis donc, ce que tu regardes, j'ai jamais vu aussi nul. Oh, le type que tu regardes, c'est fou, t'as remarqué à quel point il te ressemble. Génial.
Comme ça, on sera deux à se ressembler. Bon, donne-moi la télécommande que je change maintenant. Bonsoir, je voudrais dédier l'émission à mon meilleur ami d'enfance, Rasmo. Ben, et moi alors, il parle pas de moi? C'est normal, c'est parce que c'est moi l'oncle adopté. Rigolo. Crapouli, il est revenu. Rasmo, repose tout de suite cette télé. C'est mon crapouli, à moi. Non, c'est hors de question. Il est à moi, crapouli. Attends, tu veux rire? Attends, ils sont où les ricochets? T'en as compté combien? J'en ai rien, j'ai vu rien, zéro! Bah vas-y, si monsieur peut mieux faire. Ouais, j'ai gagné! Ricochet, à zéro! Ça, c'est le cargo. C'est sur l'eau qu'il faut que ça ricoche. J'en ai mal à la tête tellement je suis content. Un ricochet, c'est un ricochet, hein. J'ai hâte de voir la tête que fera le capitaine quand il verra sa surprise. C'est son plat préféré. Il va se régaler. Miam. Oh. Une huître. Ouah, t'as vu, j'ai trouvé une huître. Ouah, c'est génial pour faire des ricochets, ça. Sors tes jumelles, rapido, regarde comment je vais la jeter. Hein? Ouah, une boule de bowling. Ouah, je vais pouvoir lire l'avenir dans une seconde. Je l'ai vu le premier. Alors lâche ça, c'est une boule de bowling, t'y connais rien. C'est la champion 3000, elle est faite pour moi. Une boule de pro, elle est classe de chez classe. C'est la boule de chez boule. Mieux, ça n'existe pas, elle est à moi. Yeah, elle est pas qu'à toi, elle est à nous. On l'a trouvée ensemble, tous les deux. Moi je dis qu'on doit la partager. Elle est où? T'as vu le ricochet? Quinze jours qu'ils complotent dans mon dos. Je serais curieux de savoir ce qu'ils ont derrière la tête. M'étonnerait pas qu'ils préparent une mutinerie. C'est pas un vieux loup de mer comme moi qui vont la faire, qu'ils y viennent. Je vais les recevoir. Si beau gâteau, je ne résiste pas, je le découpe tout de suite. Va falloir que je recompte mes doigts, je suis pas très sûr. Sabrez le gâteau, c'est une belle tradition de la marine. Capitaine, moi et Beignon vous offrons ces quelques huîtres et cette petite surprise. Hein? Oh, un gâteau, mais c'est formidable. Des huîtres, un gâteau surprise, à moi. Mais voyons, il fallait pas. Vous êtes très renseigné, comment avez-vous su que je suis grand amateur de golf? C'est facile à deviner, vous arrêtez pas de nous saouler avec vos souvenirs, le degré. Oh, quel club bien équilibré. De ce côté. Alors, où est-il ce parcours de golf? Vous allez vous régaler, capitaine! C'est un mini-golf géant, entièrement fait en fromage à trous! Ouais, va d'ordinaire, je ne joue que les 42 trous. Mais c'est pas grave! Svetlana, attention, mais il faut pas rester derrière! Excusez-moi, capitaine! C'est la dernière fois, les champions de golf ont besoin d'avoir de l'espace pour évoluer. Donnez-moi une balle! Oh, les balles! 3 douzaines, on en a commandé, mais elles sont toujours pas arrivées. Ouais, 100 balles, c'est nettement moins amusant. Ah,
c'est de la balleuse. Oh, les boules, ils m'ont piqué ma boule. N'importe quoi, ils jouent au bowling avec une canne, mais j'ai jamais vu des nuls pareils. Capitaine, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hé, bon, je te demande une idée, pas de pleurer. Je pleure pas. Ça vient de juste derrière moi. Vous m'avez volé ma paire, l'espèce de voleur. C'est toute ma vie qui s'écroule. Jamais je ne pourrai en faire une aussi belle. Une perle? Comment ça, une perle? Elle dit que c'est pas une boule de bowling. Mais depuis quand tu crois les mollusques, toi? Tu sais très bien que c'est les rois des menteurs. Écoute, je te laisse papoter avec l'huître et moi je vais récupérer la perle la boule. Je suis fier de toi, comment je suis fier de toi, t'es vraiment trop génial, ça je savais. Wesker! Quel joli coup! Oh, je l'ai! Oh, jamais je l'ai récupéré! C'est horrible! Ma vie est fichue! J'ai plus qu'à me recycler en moule! Je n'oserais plus sortir de ma coquille! Chut! Je l'ai! Et direct dans le trou! Tout est parfait, j'ai conservé mon swing! Je l'avais! Elle était là dans mes mains, je l'avais! Alors, Laura, tu l'as? Ma perle! Rattrapez ma perle! Bah alors, où ils sont passés? C'est tout! Te presse surtout pas! Ça se fait pas de faire attendre les dames! Au contraire, mon petit Raz, il faut savoir se faire désirer. C'est l'autre mollusque qui me tombe dans les bras. Mais oui, j'ai trouvé une super idée. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que la bouboule rentre à la maison. Allez-y, avant-dernier trou, capitaine. Regardez comment j'ai gagné mon premier trophée en 1912. Alors, vous l'avez? Ça y est. Évidemment, ma petite huître. Vas-y, Rapido, tu lui rends. Oh, ma boule de bowling. Rapido, tu reviens ici tout de suite. C'est bon, j'ai la boule, je vais être le premier rat champion de bowling. Oh, mais te voilà, ma baballe. Hein? Alors là, c'est très fort, capitaine. Ah oui, 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 c'est très, très fort. Allez, on arrête de rigoler. Tu me donnes la perle, tu l'as cachée où? Hein? C'est quoi ce délire? Pourquoi tu l'as mise dans la baleine numéro 4? Tu lui as bouché le nez. Thank you.
Tiens, tu vois? Quand je te dis que les huîtres, ça fait des super ricochets. Quand je pense que j'ai fait confiance à un mollusque, j'aurais jamais dû la lâcher, cette perle. Avec ça, je fais au moins 1000 ricochets. Très intéressant. Mais enfin, mais puisque je vous dis que c'est une vraie, allez! C'est ça, je vous donne 10 dollars. Elle en vaut 600. 11 et tu te tires, tu dégages. Mais vous rigolez! Allez, quoi, un petit effort! Tony Giannini, ligotez-moi cette grosse moule! Ah bah, Macron! Et vulgaire avec ça! Super sens de l'humour, j'adore ça. Non, j'en suis tout retourné. Je devrais dire qu'un accident, ça n'a rien de marrant. J'aurais pu mourir, moi. Oh là là, je sais ce que je vais faire. Tu vas mettre un casque? Non. Tu vas mettre deux casques? Hé, hey, Razmo, tu veux essayer de battre le record de vitesse supersonique, brum brum? Mon Dieu, Razmo, mais qu'est-ce que tu fais? C'est horrible! Ne me dis pas que tu t'es mis à la peinture abstraite! Pas vraiment. Je prépare un panneau de signalisation. Un quoi? Il faut mettre en place quelques normes de sécurité ici et là. À commencer par 2-3 panneaux! Jusqu'à présent, on s'intéressait qu'à la vitesse, sans jamais penser à la sécurité. C'est dommage. Mais maintenant, les choses vont changer grâce à mon nouveau système de panneaux. Ouais, bon, d'accord, mais maintenant tu viens, on fait la course. Attention! La vie est trop précieuse pour la risquer sur un coup de tête, il faut surtout... Arrête de me prendre la tête avec ton blabla sur la sécurité, je m'en fiche! Laisse tomber, monsieur sécurité, je peux te dire que j'ai pas besoin de toi pour battre leur corps de vitesse. On est prié de respecter la limitation de 10 km/h. Ça te va là? Pas trop rapide pour toi? Et voilà, sans les mains, la classe! Quoi? J'y crois pas! J'ai raté le record de 3 secondes! Silence! Hôpital, t'as pas lu le panneau? Bah c'est pas grave, je vais te mettre une contravention. Tiens, tu lis ça! Attentivement! T'as jusqu'au 31 pour payer, si tu dépasses, bon bah après ça sera ma journée, bien sûr. Les limitations de vitesse, c'est pour les bouffons dans ton genre! Or! Qu'est-ce qu'il a dit là? Eh bah celle-là, il a pas volé, bah je vais lui remettre une contravention. Mais ce type est coupé.
complètement malade, à 2h du mat, il peint des panneaux de signalisation. Rasmus, j'en ai qui essaie de dormir. Oula, la nervosité est un vilain canard qui se mange froid. Tiens, moi j'en connais un qui va battre son propre record de vitesse aujourd'hui. Je peux venir avec toi? Rasmus, c'est vrai? T'es partant, mon vieil ami de toujours. Je croyais que ta blessure à la tête t'avait détraqué. Oh, merci. Allez, viens, c'est par là. Allez, en voiture, et que le meilleur gagne. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai bricolé une petite amélioration sur nos radboards. Oh là 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 là, une amélioration quoi? Tu vas voir, ça va te plaire, c'est sûr. C'est quoi ça là? J'accélère à fond et pourtant on fait du surplace. Vous avez atteint la vitesse maximale. Qui c'est qu'a dit? C'est Steve, ton super ordinateur de bord. Veuillez laisser vos mains à l'intérieur du véhicule. Attention, je suis en train de te dépasser, non! Rasmus, reviens ici tout de suite! Enlève-moi ce truc débile de ma radboard! Veuillez ne pas toucher au système de commande. Steve est un gentil système de sécurité programmé pour ta protection, il est très gentil. Et c'est maintenant Villeneuve qui décide de dépasser sur la gauche et qui part le premier dans la ligne droite! N'oubliez pas de regarder des deux côtés avant de traverser la route. Mais ferme ta bouche! Dégage! Hé, hey, attends! Dis-moi, si je me trompe pas, tu es bien programmé pour assurer ma sécurité, oui ou non? C'est exact. J'ai comme priorité absolue de protéger le conducteur en toutes circonstances. Bien! Alors c'est le moment de passer de la théorie à la pratique. Attention, danger imminent. Nous nous dirigeons tout droit sur un hachoir géant. Tu m'as parlé? Changer de direction. C'est incroyable ça! Touche pas à mes commandes, d'accord? Avec ta saleté de main ou je t'en mets une? Ben vas-y, t'es si fort! Ah, ça y est, je te tiens! J'en ai marre! On commençait tout juste à s'amuser! Enclenchement de la ceinture de sécurité 4 points. Système de refroidissement pour le conducteur en surchauffe. Hey! Mais on est où là? Nous sommes actuellement dans le tuyau de vidange du navire. Hey! C'est quoi ce bruit? Non! Alerte jaune. Alerte jaune. Ce truc de fausse dessus! Nous avons atteint la vitesse maximale. Steve, Rasmus, nous sommes bloqués dans la fosse septique du navire. Oh non! C'est la catastrophe! Je détecte une hausse de tension. Le repos est conseillé. Mon ami est en grand danger! Votre tension est montée à 18-12. Je ne peux pas vous laisser conduire dans cet état. Non mais... Mais c'est moi qui commande, c'est moi le patron ici, mais t'as compris? C'est moi qui t'ai conçu, non? Douche relaxante forcée. Rasmus, qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous que je vous chante une chanson? Monsieur l'ordinateur de bord, prépare-toi à retourner au cimetière des ordinateurs. Rasmus, je t'aime. À fond les bananes! Je suis déshonoré.
pue, ma parole, tu pues. Razmo, enlève-moi cette prothèse monstrueuse immédiatement. J'ai peut-être un petit peu abusé, c'est vrai, j'avoue. Maintenant! Alors, t'as bien tout enlevé? Il reste plus rien? Désolé, vieux, c'est vrai, j'avoue, j'ai un peu pété les plombs. Mais on aura appris quand même une chose super importante. C'est que la sécurité et l'hygiène sont les deux mamelles. Tribord, tout! Non, pas bord! Je vous préviens, si ça continue, je vous rends mon goûter. Ça va, ils sont biodégradables, hein? Quelle magnifique journée! Bon, je t'explique le plan. Toi, tu fermes ton bec et tu obéis. Non, 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 toi, t'arrêtes de me commander, je suis pas un môme. Je sais très bien quand je dois me taire. S'il y a bien une chose à cause de toi. Et toi, le capitaine va nous entendre. 8271, 8272, 8273, 8274. Qui compte son fromage le matin éloigne le médecin. 8275. Sections! Malédiction! On a été dévolisé! Tout fromage de la section 11 a disparu! Rapido! Eh oui, la voix de Bruce Willis en français, c'est moi. J'ai aussi doublé Gérard, Gérard Depardieu. On est devenus très potes, lui et moi. Un talent incroyable et pas du tout la grosse tête. Un bon vivant comme moi. Mais je fais pas que ça, je réalise aussi des films d'horreur. Tiens, je t'aurais bien... Alerte en général! Aïe. Tout le monde sur le pont, on a été volé! Tiens, tiens, t'as encore besoin de moi, mon petit Razmo? Rapido, on est mal. Des voleurs mal intentionnés nous ont volé la section 11. C'est une catastrophe, un désastre. C'était notre plus grand cru. Mais calme-toi, inutile de speeder, tu vas te griller un neurone. T'as sûrement mal compté. Écoute-moi, je te dis que le fromage s'est envolé, et pas tout seul. Si tu m'aides pas à le retrouver, on va faire une carence en calcium. Les voleurs! Putain! Ferme-la! Il se pourrait bien qu'on nous surveille! Hé? Hey, tu te caches de qui, là? À ton avis! Laisse-moi deviner... Une loutre a craqué pour ton petit corps? Je mets des miens en embuscade! On sait jamais si les voleurs sont encore là! Raz, mon pote, je crois que tu deviens complètement parano. Peut-être que t'en sais plus que tu crois. Je sais que tu sais. J'ai peut-être pas cherché au bon endroit. Peut-être que le renard est toujours dans le cellier. Je vois, ça y est, j'y suis, ça crève les yeux. C'est une bloc de bouffon. J'étais aveugle. Mais là, j'y vois clair. Tu me rassures, chouchou. Très drôle. Alors, où est-ce que tu l'as caché? Quoi? La section 11. Oui, exact, la section 11. On progresse. Les meules qui ont disparu. Tu sais bien, ta petite plaisanterie fine de cacher le fromage. Je comprends pas un traître mot ce que tu me dis. J'adore ton sens de l'humour. Bon, allez, dis-moi, où est-ce que tu l'as planqué? Désolé, vieux, j'ai rien planqué. Bon, d'accord, on a bien ri. Tu l'as planqué où? Je t'en supplie, ne me fais pas tourner en bourrique. C'est vital, j'en ai besoin pour mon équilibre intérieur. Tu comprends? J'en peux plus. Arrête ce jeu stupide. Je sais que c'est toi le coupable. Je t'ai démasqué, mon gars. Arrête ton baraton, espèce de fou, de kleptomane fromagé. Tu n'es qu'un traître, un scélérat, un faux frère, un voleur de fromage. Puisque c'est ça, tu peux toujours courir. T'en auras plus un gramme, non, monsieur, rien du tout. Pas tant que je serai là pour le surveiller, le protéger de la racaille, des malhonnêtes dans ton genre. Excuse-moi, vieux, mais là, j'ai plus trop le temps d'écouter tes élucubrations. Un conseil, va prendre l'air, t'es trop dans la cale. Marche d'un pas léger, Rapido, car le vaillant Razmo restera sur le pied de guerre tant que le cerveau criminel, le cher fascisti fromagère, ne sera pas mis hors d'état de nuire. Moi j'ai lu cubre. Eh ben c'est ce qu'on va voir. Je vais vous l'amener l'enquête. J'irai jusqu'au bout. Et pas de quartier. Jusqu'à ce que justice ou fromage soit fait.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tais-toi, imbécile! Tu charges le fromage si c'est pas trop compliqué pour toi. Et le plus important, tu la fermes, capiche? Mais tu sais, c'est beau le formaggio. Je t'ai dit de la boucler. Tu la mets en veilleuse et moi, j'établis le contact avec les autres. Pizzaiolo à Cheese Connection? Pizzaiolo à Cheese Connection, vous me recevez? À vous! Ici Cheese Connection, vous avez le pognon, répondez. On a le pognon si vous avez le frampton. On a le frampton si t'as le pognon, bouffon! Toi, tais-toi et tu leur ouvres la cale. Je suis pas ton lapin d'abord, alors arrête de me commander! Lumière! Voilà, fromage! Maintenant, envoyez la monnaie. Oh, les crapules, je les tiens, ces infâmes voleurs de fromage en série. Je parie que ce sont les complices de Rapido. Faut que je prévienne le capitaine, vite! Oh, il dort encore, les galères. Rasmo, au travail. Il est temps de se débarrasser une fois pour toutes de ce vaste réseau de trafiquants de fromage. Et du tac au tac, j'ai répondu à Schwarzenegger, un homme de votre classe ne devrait pas vivre dans un igloo. Canaille! Frimeur, à la rigueur, mais je n'irai pas jusqu'à dire que Schwarzy est une canaille. Toi, Rapido, c'est de toi que je parle, Rapido! Naturellement, tout le monde parle de moi. T'imagines même pas à quel point tu me déçois. Il faut toujours qu'il en fasse des tonnes, lui. Vas-y, braque à bâbord! À gauche, j'ai dit! Bientôt, Svetlana pourra rentrer au pays et s'offrir Saint-Pétersbourg. Et Benny pourra aller aux États-Unis et s'offrir plein de hamburgers! Mamma mia, qu'est-ce que c'est que ça? Un piège à rat supersonique! Hein? Tu peux pas causer comme tout le monde! Et 1 à 0 pour Rasmo, l'Asdic! Joli cœur, à part un autre service, tu me reçois? Je ne comprends pas, ma biche. Il doit bien être passé quelque part. Alors toi, je te laisse 5 minutes et t'en profites pour faire la sieste au milieu de la route. Il y a toute une armée de petits Rapido qui se font la malle avec le fromage. Le fromage est en danger. Il y a des petits Rapido partout. Extermination. Protection du fromage. Prends ça. Et ça. Et ça. Ça va mieux, tu te sens bien là. Alerte, un Rapido géant. Il faut que je l'arrête. Un dératiseur manuel parfait. Tu veux pas t'en tirer comme ça? Je vais te montrer ce qu'il en coûte de me piquer mon fromage. T'en es encore là? Décidément, c'est une idée fixe, hein. Mais ça là, hein? Tu peux m'expliquer ça? Ils embarquent tout notre fromage. Voilà votre pognon. Le fromage, le fromage. Une bande de truands nous pique notre fromage. Et maintenant, qui c'est qui voit des petits voleurs dans sa tête? Un plan, vite, il nous faut un plan. Attends, le ventilateur est en marche. À vos ordres, capitaine. Plein gaz, on dégage. Deux secondes, il faut que je coupe le câble. Merci beaucoup, toi aussi, bonne chance, vieux. Attends. Aïe, j'ai coupé le mauvais câble. Oui. Allez, qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi, fonce! Et si vous passez un beau jour à Saint-Pétersbourg, surtout ne cherchez pas à me voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouh! Il y a un problème! Je vous interdis de me toucher, sinon... Ouais, vous allez faire quoi, sinon?
J'ai horreur des menaces. Je retire mon offre. Et moi, je reprends la marchandise. Non, surtout pas, garder le fromage. Merci, on va se gêner. C'est ce qu'on va voir. Et c'est parti pour un round. Svetlana se défend bien, dis donc, costaud de la petite, hein. Tu m'étonnes. Rendez le fromage. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Mais t'as le cerveau lent. Pourquoi t'as repris la marchandise? Il a touché Svetlana. Personne ne touche Svetlana. Arrivederci, bande de parmesan. Hey vieux, n'aurais d'avoir douté de toi, t'es pas fâché au moins? Oh, tu rigoles ou quoi? Si on se faisait une petite rangée de fromage. Rapido, tu sais que t'es un mec bien. Ouais. Et on a la valise des dollars. T'inquiète, on mange un morceau et je retourne les corriger, moi. T'es sûr, trop rapido. Waouh! Allez, fais voir ce que t'as dans le ventre, ma fille! C'est parti, à fond les ballons! Pourquoi moi? Non, ça va en fait. Petit boulot, Svetlana ne va pas te quitter des yeux cette fois. Un boulon en titane rouge trempé à l'uranium, c'est mon dernier, je ne dois pas le perdre. C'est la pièce la plus indispensable pour le fonctionnement du moteur du navire. Svetlana ne supporte pas qu'on lui vole son matériel. J'en ai trop marre de ce moteur, c'est incroyable. Trop de vibrations, j'arrive pas à gérer. Heureusement, t'as vu, il existe un dentifrice qui développe les muscles. Je ne me coucherai pas avant d'avoir dégoté un nouveau boulon. Oh, hey, tiens-toi bien, c'est justement la marque que j'utilise. Hein? Ce qui expliquerait en partie mon physique exceptionnellement athlétique. Mais non, imbécile, c'est deux publicités différentes qu'on a mises l'une à côté de l'autre, c'est tout. Elles ont strictement aucun rapport entre elles, banane. Oh, y en a dans ta petite tête, Einstein. Elle est bien bonne celle-là. Pourquoi pas un dentifrice à la viande? Ou alors, attends, un rouge à lèvres qui rend les dents blanches, ça c'est bon ça. Ou non, attends, un coton tige aux chips. Bon ben, on est d'accord, il se moque de moi, là. Un boulon en titane flambant neuf? Génial! Oh non! Il y a le mammouth à deux pattes qui monte la garde! C'est la tuile! Comment je vais faire pour récupérer le boulon? Tu vois, ton problème, c'est que t'es typiquement le genre de mec qui pense que les autres mecs pensent que tu sais de quoi tu parles. Désolé, moi, pas parler chinois. Regarde, ce dentifrice-là a rendu cet homme-là hyper costaud. Comme moi. T'es taillé comme une feuille de cheddar. Cheddar, c'est ça? Et si on se faisait une petite course, toi et moi, pour voir qui est vraiment le plus fort? Ok, si t'insistes. Voyons, aujourd'hui, aïe, je suis un peu pris. Oh, attends, bouge pas. Je vais peut-être pouvoir te caser entre 10 et 11 heures ce matin, tiens. Une heure? Je n'ai besoin que de 5 minutes pour te mettre une dérouillée magistrale. Ce gobeur de dentifrice prétentieux mérite que je lui donne une bonne correction. J'ai pas le choix, il faut que je récupère ce foutu boulon. Oh! Gagné!
avec ce boulon à l'uranium enrichi, Rapido peut toujours se brosser. Ma rate bord est imbattable. Je crois qu'il y a une petite fuite là. Oh, je t'y prends, sale rat, sale vermine. Retire ton doigt de cette roue et remets le boulon à sa place. Ou tu vas tester la dureté de ma clé à molette. Bon, d'accord. Puisque vous insistez. Oh, mais il s'en va avec le boulon. Eh, Rapido, ramène-toi, j'ai pas que ça à faire. Allô, t'es. Faut toujours qu'il nous fasse son cinéma. Quelle classe, quelle grâce, quelle entrée de star. Quel ringard. Le dernier qui franchit le ventilateur est bon pour cirer mes chaussures. Me dis pas que ça fait mal. Allons-y, c'est le moment de sortir mon arme secrète. Et maintenant, accrochez-vous et regardez ce que c'est qu'un vrai professionnel de la magie. Espérons que ce bouchon tiendra le temps que je trouve un boulon. Capitaine, mayday, mayday, nous avons un problème dans la salle des machines. On a de l'eau jusqu'aux genoux ici. Il nous faut d'urgence un nouveau boulon en titane, sinon on va couler. C'est impossible. Le seul pays fournisseur de boulons en titane, c'est Taïwan, et c'est à 20 000 lieues de notre position actuelle. Non, mais je récorde, je n'ai plus qu'une chose à faire. Sombrer avec le navire. Au diable, les torpilles vogueront loin de la côte. La coque se fendit, nous coulerons la tête haute. Benny, on coule. Mais qui ça, on? Je peux pas couler, moi, j'ai un soufflet dans le four qui a besoin de cuire encore 40 minutes. Tu gonfles avec ton soufflet, là. Aide Svetlana à retrouver son boulon titane. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu n'as pourtant pas l'étoffe d'un héros. Tu dis ça parce que t'es un jaloux. Cécilia, pourquoi tu me regardes comme ça? Attends, tu ne serais pas rendu coupable de pratiques crapuleuses par hasard? Hein? Tu n'aurais pas trafiqué ta rat-board comme de par hasard? Bon, allons voir ça de plus près. Non! Ah ah! T'as gonflé ton moteur, j'en étais sûr! J'ai rien gonflé du tout, moi. Parlons plutôt de ton dentifrice super dopant, d'accord? Il y a 2, 3, 4, 5 petites choses qu'il faut que tu saches, mon petit champion. Ah ouais? Pour commencer, avoir la laine fraîche, quoi qu'il arrive, c'est très important. On prend l'eau, c'est le boulon. Faut que j'aille le remettre en place. Dis-moi, tu n'aurais pas gonflé ton moteur avec un boulon en titane rouge à l'uranium? C'est lui qui permet au bateau de tenir sur l'eau, hein? Ouais, mais ton coup du dentifrice super dopant, c'était pas mal non plus, hein? T'as intérêt à remettre ce boulon en place avant qu'on coule! Comment je suis dégoûté, hein? J'ai même pas le temps de savourer ma super victoire méritée. Il faut sauver le navire! Je l'ai pas bichonné pendant 20 ans pour rien! Vite, en salle des machines! Hé, hey, Rapido! Wow! T'as un plan pour remonter le bateau en surface? En surface? La partie sous l'eau, comment tu la sors? Et voilà! Non, Rapido! Pas là!
bien se passer maintenant. Mais non, imbécile! T'as vissé le boulon sur la chaudière! Hein? Moi, j'en peux plus de lui, j'en peux plus. Vite! Ça va exploser! Laisse tomber, vieux, j'ai super serré avec mes super muscles! Quel imbécile! Mais c'est pas possible d'être un imbécile à ce point! Yo, victoire, vous êtes sauvé, capitaine, vous avez touché le fond. Dépêche-toi, Rasmore. Qu'est-ce que tu crois? Je fais ce que je peux. Ce truc est en train de me bousiller mon meilleur profil. Accroche-toi. Ça y est. Je crois qu'il n'y a plus de problème avec le boulon maintenant. Par contre, si tu as une idée pour redescendre le bateau... Waouh ! La vapeur comprimée dans la chaudière a permis au bateau de se propulser hors de l'eau. Ouais, et tout ça grâce au roi du dentifrice. Ouais, c'est ça. Un peu plus, tu faisais exploser la chaudière en lunule. Ça y est, tu te réveilles. Ça ne t'est pas venu à l'idée une seconde que je puisse l'utiliser exprès. Tu me prends pour un débile. Toi, il te manque vraiment un boulon. Oh, ce maudit moteur me fait encore un caprice! Oh, je ne comprends pas! Ça fait 5 fois qu'il cale! C'est bon, ça! La vache, les vibrations, ça me fait des frissons partout, j'adore! Maintenant, si monsieur le moteur veut bien se donner la peine de travailler... Vite! Je retourne à ma place! Quoi encore? Ça y est, je suis prêt. Envoie la sauce. Pourquoi il refuse de démarrer? Hein? Oh non, c'est la panne sèche! Je vais prévenir les capitaines! Mais... À la galère! On a vu le carburant! Compagnons de la mer, capitaine Salami, pétrole et compagnie. Et vous n'auriez pas du carburant en trop par hasard? Parce que là, on a, plus du tout de carburant. À sec en pleine mer? Ah bravo, vous êtes très fort. Je vais vous dépouiller. Oh, non, je voulais dire dépanner. Aide-moi, s'il te plaît. Je vais mourir avec les vibrations du moteur. Attends, arrêtez, c'est comme du bazar. Y'a plus une goutte d'essence. Je parie que c'est un coup de Svetlana. Je sais qu'elle me déteste. Il me faut ma dose de vibration. C'est vital, sinon je vais mourir. Tu devrais prendre un bon bain jacuzzi. Il n'y a rien de tel contre la fatigue et le stress. Excellent, je suis sauvé! Alors, c'est pas royal comme sensation? Oh, oh oui! Oh, 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 ça pique des huiles encore, encore, encore! Oui, oui, plus fort, plus fort! Tranquille, je vais te réparer ça, on n'a rien de temps, c'est bon. Mais c'est quoi ce truc? Quelle horreur! Un vieux grille-pain recyclé! Moi, je touche pas à ça, moi.
Mais je sais, j'ai trouvé, je vais fabriquer un nouveau moteur. Un moteur encore plus puissant. Ben voilà, j'ai plus qu'à balancer ce truc-là. Maintenant qu'on est débarrassé de cette camelote, passons aux choses sérieuses. Manœuvre de ravitaillement. Préparez-vous à recevoir le carburant. Là ! Un prêt de toi à découvrir le tout nouveau moteur turbo de ton jacuzzi. La vraie prouesse de conception consiste en la mise en pratique de la théorie de la vibration ricochet. Théorie que j'ai moi-même inventée et qui stipule que lorsqu'un son est émis à travers une série de chambres de réverbération, il crée une dynamique de résonance, oui monsieur. Gagnant de la vitesse, le son en atteignant le jacuzzi fait le tour de la baignoire et accumule des vibrations. Puis, par un effet de ricochet, le larsène rebondit dans les chambres de résonance où tout amplifié se multiplie. Cette réaction en chaîne se répète à l'infini, produit un effet visuel hallucinant et propulse le occupant du jacuzzi au nirvana. Le mouvement perpétuel, c'est la plus grande invention depuis la brique. Alors, eh ben c'est moi qui l'ai inventé. Le souci, c'est qu'on n'a pas une goutte d'essence. On n'a pas d'essence, pas de jacuzzi. Mais reconnais quand même que c'était excellent comme idée, non? Viens par là. Ah, je te vois venir. Tu veux me faire du mal? Tout ça parce que t'as pas eu ce que tu voulais tout de suite. Je veux. Tes mots dépassent de pensée. Je reviendrai quand tu seras calmé. Rasmo, reviens là tout de suite! Non, j'entends rien, désolé, j'entends rien. Oh, qu'est-ce que c'est doux? C'est chaud, oh, c'est soyeux. J'adore. Ah, une fouine! Wouh! Démarre! Vol, j'ai cru d'attendre, décolle. Hé Laura, comment on décolle avec ça? Comment ça marche ton truc? Rapide, au secours, y'a une fouine, y'a une fouine. Alerte jaune, y'a une fouine à bord. Bien sûr, et le moteur du jacuzzi, je vais l'attendre longtemps. Il faut se cacher. Quand est-ce que tu remets le moteur en marche? Le fromage est en train de durcir, moi. Une fouine. Il est passé où, le petit gros? Il est dans le placard. C'est pas moi. Au secours, au secours! À l'aide! Accroche-toi, vieux! Rapido, attrape ma main! Tu vas lâcher la porte, oui! Non! Voyons, vu la taille de Rasmo, il va falloir à la fouine au moins 20 secondes pour le bouffer. Ce qui me laisse tout juste 20 secondes pour me tirer d'ici! Ne mangez pas, madame! Mais c'est pas du tout mon intention! C'est vrai? Alors je peux y aller? Non! Tu vas d'abord m'apprendre à faire décoller cet engin! Grâce à toi, je vais enfin pouvoir réaliser le plus grand rêve de ma vie! Qu'est-ce donc? Voler! Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? On va parler, j'étouffe! Merci beaucoup. Je veux voler, décoller, atteindre dans les cimes éternelles. Allez, envole-toi. Il faut que je me cache avant que la fouine revienne. Je veux voler. Oh, je vole. Oula, faut pas que je traîne ici. Ça décoiffe. Non. Ah!
où je voulais atterrir. Là, ici, elle viendra pas me chercher, la folle. Mais... Et ça nous fait donc un total de 1 000 000 d'euros et 35 centimes. 1 000 000, diable, mais regardez-moi bien, vous vous payez ma tête. Ah, c'est le prix. C'est un scandale, capitaine, vous êtes un voleur, un pirate de la pire espèce. Oh oui, j'ai honte. Passez-moi les billets. Bon, ils ont fini, on devrait plus tarder à lever l'ancre. Alors, je veux bien t'accorder encore une chance, petit, pour me faire décoller, mais... Attention! Impossible, vous êtes trop lourde pour la ratboard. Mauvaise réponse! Okay. Je veux voler, pigé! Voler! Je veux voler! Voler! T'es sourd ou t'es sourd? Mais bien sûr, j'ai trouvé! Puis-je vous présenter le tout dernier modèle de jacuzzi? Avec son système de vibration ricochet intégré, vous serez au top de la turbo-attitude. Sensation garantie. Ouais, j'achète. Je veux bien l'essayer, ton truc. C'était un plaisir de vous rendre service. Oh oui, tout le plaisir était pour vous, Salami. Bien, il est temps de repartir en quête d'autres pigeons marins. Décolle, allez, décolle! Bon voyage, Denise! Décollage dans 2 minutes! C'est que vraiment n'importe quoi, une fouine. C'est bien la dernière fois que j'oublie d'emporter mon jerrycan! Ha! Y'a rien à dire, dès que je calcule, je tombe pile où je veux! Hein? Hein? Attends, je suis pas d'accord là! Youhou! Les vibrations, oui, c'est bon! Balancé par la houle de Londres à Liverpool et bang bang bang, englué dans les sangliens, devenu à Caracas, adieu méchante houle. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à la ranger. Oh, Grigor Grigorovitch, amour de ma vie. Qu'est-ce que je m'ennuie, s'il vous plaît, donnez-moi une activité, quelque chose à faire. On fait mumuse à la baballe? Tu fais une partie avec moi, petit? Laisse-moi. Va-t'en. Je le connais, je déteste quand il est comme ça. Il est lourd quand il s'ennuie. Bon, j'en étais où, moi? Mesdames et messieurs, Razmo, le tueur de qui, au lait de vache, va frapper. Concentre-toi. Tiens pas la boule avec toute ta main. 3 doigts, ça suffit. Et c'est pas un éléphant dans un couloir que tu vises, ok? Alors rate pas la piste. Concentre-toi et lance la boule. Hé, hey, t'as pensé si tu touches toutes les boules de fromage d'un coup? Peut-être que c'est un strike fromager? Bulletin météo spécial, attention, attention, avis de rat de marée de force 10, je répète, avis de rat de marée de force 10, une lame de fond gigantesque traverse actuellement la mer de corail en direction de l'est. Une lame de fond? J'aurais dû lire mon horoscope ce matin. Accrochez-vous, ça va secouer! Oh oui, je sens la force. Ah, tu trembles trop, on dirait une vieille machine à laver. Tous les navires rentrent au port! Bonne idée, je l'ai dit, ça ne va pas être simple. Ma vaisselle!
C'est bizarre, j'ai beaucoup de sang dans les oreilles. Ben moi, j'ai l'estomac qui est tout dans le tympan gauche. C'est quand même bizarre, on marche au plafond. Hé, viens voir. Il y a des poissons dans le ciel, cuit, cuit, cuit. Sauf que ces poissons ne volent pas, ils nagent. La terre s'est enfoncée sous la mer. On vit une époque vraiment formidable, quel progrès. Attends, stop, on arrête le délire, il y a un problème, attends. Quand t'as de l'eau derrière un hublot, c'est que t'es dans un sous-marin. Ou alors c'est que le cargo s'est retourné. Voilà, le bas est en haut et l'eau est en bas. Et c'est pas un progrès. Si on veut, on vogue à l'envers. Ah, mais je vois pas très très bien à quoi ça sert. Mais ça permet de regarder les poissons. Regarde le gros là-bas. Carrément génial, hein, un bar de sushis géant. Bon alors, un, j'ouvre, deux, les poissons rentrent, et trois, je referme, et quatre, tout le monde il est à table. J'ouvre, et hop, je referme, quatre, non, c'est un... Oh, un requin. Le sushi de requin, c'est excellent. Alors surtout que tu bouges pas, ça va un peu piquer les yeux. Tu parles d'un fichu caractère. Ah, on dirait ma belle-mère. On devrait retourner le cargo plus souvent. Je trouve ça tellement plus original. Hey, je rêve. Waouh, c'est Noël. C'est les plus beaux outils mécaniques qui brillent bleu que j'ai jamais vus. Yes, ah, yes. Et aucun signe de zut. Que t'es une peureuse à la honte. J'ai pas peur d'elle. Si j'avais peur, je serais pas là sous ton nez. Elle dort. Bon, d'accord. Je vais te prouver qu'elle me fait pas peur. Voilà ce que je vais faire. Je lui mets deux claques, j'arrache la couverture et tombe au sol. J'aimerais bien t'y voir. Je te parie tous tes fromages. Top là. Ça veut déchirer grave. Niet, c'est mon jour de congé. Alors ça, c'est pas sympa. Rassemblez-vous, général. Tout le monde est sur la passerelle. Faut toujours que ce soit les jours fériés que ça tombe. T'as perdu. N'importe quoi, j'ai juste pas eu le temps de le faire. Désolé, quand même, tes goûts d'âme appartiennent maintenant. Tu veux rire? C'est mes fromages. Je ne... Papa, tu vas... Oh non! Je dois frire! Rapido, vas-y, secoue-toi dans la cale! Tous les fromages doivent être renversés! On fera venir la femme de ménage! Ah, donc ça te dérange pas que mes fromages puants dégoulinent sur tes bons bouddhas bien parfumés? Excuse-moi, parce que j'étais persuadé que ça allait déranger, donc s'il n'y a pas de problème... Viens vite! J'ai trouvé le moyen de le faire travailler. Quel chantier, c'est pire que ce que je craignais. Quelle horreur. Il est contaminé, tous mes petits bébés sont crottinés, irradiés, bons à jeter. Rapido, je crois savoir ce qu'on peut faire pour ton petit problème de pollution. Tu vois tous ces goudassins que je touche avec ce camembert bien coulant? Eh ben j'accepte de les manger à ta place. Celui-ci aussi, celui-ci et cet autre. Tu devrais vite ramasser les tiens. Oui, va très vite, ne plus t'en rester. À moi aussi, à moi, ça c'est à moi. Tu veux la guerre, tu l'auras. Soyons réalistes, la situation est grave. Et ça n'est rien de dire, il est clair que vous n'avez que très peu de temps pour retourner le navire. Va encore falloir que je sombre avec le navire. Laisse-moi te présenter ma part contaminée. Rassure-toi, pas mal ta part, mais regarde plutôt ma part. Là, franchement pas mal, ouais. C'est dommage qu'il y ait ce petit coulant au pied de ta montagne, ça tâche un peu. Non, pas de coulant. Tu me dis si je me trompe, mais ça retenait pas un petit peu tout. On a dû heurter une baleine.
Une fricassée de baleine. Bon, je remonte voir s'il y a du dégât. Oh non, mais c'est pas croyable. Quelle catastrophe. Rasmo, viens m'aider. Je t'en supplie. Je sais pas trop. Ventilateur comme un aspirateur géant qui va expulser tous les fromages dehors, c'est génial. Alors si tu le fais, fais-le maintenant. C'est l'heure de passer à table. Et le sushi de requin, ça se refuse pas. Ben il faut retourner le cargo avant. Eh ben tant pis pour toi, je le mangerai tout seul. D'abord, le frapper et attendrir la chair. Oh, ça va être excellent. Excellent. Comment je suis super intelligent. Ça me donne envie de faire des petits sons, je sais pas pourquoi. Allez, couchez, j'ai dit. Oh, tu peux refaire ta queue, hein. Ça ne m'impressionne pas. T'es pas un requin qui va faire la loi, hein. Et voilà, toute la cargaison est sauvée grâce à moi. Vas-y, lâche-toi, un petit compliment. Sur ta salopette, ouais, elle te va pas mal. Mais je préfère quand tu mets la rose. Oh, c'est drôle, ça, c'est drôle. Vous allez me récupérer toute la cargaison avant qu'elle ne coule plus vite que ça. Béni, j'essaie de faire le clown. Allez plutôt aider Svetlana. À vos ordres, capitaine. Bravo, grâce à ta brillante idée, voilà où ça nous a menés. Moi, je trouve que le petit goût de sel, ça rajoute un petit goût de sel, c'est sympa. T'as raison, moi je trouve que ça les a rendus un peu plus salés. C'est dommage qu'il manque juste un peu de sel. T'as tout à fait raison, par contre je sens plus ma langue, c'est normal? Ouais, pas de problème.